tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin un nouveau vlog même. On est mardi, il est 9h30, la journée commence bien, je vous explique. Pour comprendre, je vous invite fortement à regarder le dernier vlog, donc celui de vendredi. Cette nuit a été horrible, voilà. J'ai commencé à dormir avec la telle comme c'était conseillé, sauf que c'était impossible, donc j'ai enlevé la telle et juste j'avais trop mal au genou. À partir de 5h du mat, j'ai commencé à me réveiller très très fréquemment parce que j'avais mal au genou. Donc j'ai remis la telle, mais j'ai trop mal. En fait voilà, le fin mot de l'histoire, c'est que j'ai super mal. Quand je marche, quand je bouge, même avec la telle, c'est hyper douloureux. Bref, là je vais aller manger, enfin je petit déj, je vais prendre un petit déj parce que j'ai faim. Et voilà. Bon, je vais me mettre à travailler, ça me lance dans le genou. J'ai essayé d'enlever la telle parce que j'avais pas aussi mal avant. Donc je me suis dit peut-être que c'est la telle, mais en fait non, c'est encore pire. Ce qu'elle m'a expliqué, c'est que j'ai du liquide dans le genou. C'est ça qui fait que je suis instable puisque ma rotule flotte. Et j'ai enlevé la telle, mon genou partait dans tous les sens. Je faisais un pas, ça craquait, j'avais le genou qui se pliait, mais dans l'autre sens et tout, ça partait dans tous les sens. Donc je me suis dit, bon, on va remettre la telle, on va faire comme elle a dit. Voilà, parce que sinon j'ai pas envie de causer plus de soucis que ça. Et j'avoue que là, c'est vachement douloureux. Je pense que j'ai trop marché hier. Calendrier. Moi, j'en ai pas. On va en racheter un, je pense, pour en avoir un de chaque. Oh, c'est pas bon, ça. C'est toujours bon, le chocolat. Non, j'aime pas. Il est 11h15, je vais faire à manger ce midi. Oh, j'ai mal. Voilà le repas de ce midi, du reste du riz, des carottes et là c'est des feuilletés crevettes curry. Voilà les petits feuilletés, c'est crevettes, oignons et sauce curry. J'ai fait la vaisselle et tout, je me suis maquillée et changée pour faire une petite photo puisque j'ai un concours story avec cette marque là et une autre influenceuse. Je suis trop contente de la robe, c'est celle que j'ai reçue hier. J'ai très très mal au genou, je vais pas vous dire ça tout le temps mais j'ai vraiment extrêmement mal, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça a pu empirer autant en une nuit. C'est-à-dire que je ne peux plus marcher du tout et que je ne tiens plus debout en fait. Bref. Voilà du coup la robe qui est trop belle avec... voilà, là elle est transparente au niveau des manches. Et je suis trop contente. Et je viens de recevoir à l'instant ma commande Bambino Mio. J'ai acheté sur le site quelques couches, j'en ai acheté 4 je crois. Quand c'était en promo pendant le Black Friday. On va regarder ça, je vais ouvrir parce que du coup je viens de le recevoir, j'ai pas ouvert. Cool, 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 j'avais commandé 2 couches TE1, donc tout en un, c'est à dire que l'insert il est directement dans la couche. Et j'ai pris ça plutôt pour la nuit puisque pour l'instant on prenait pas les couches lavables la nuit. Là du coup j'en ai pris 2, elles sont trop mimes, une avec des petits zèbres et une avec des petites girafes. Voilà, trop jolie. Et du coup j'ai pris des boosters, j'en ai pris 3 pour, enfin le pack de 3 pour pareil pour la nuit. Donc voilà, pour mettre un booster en plus dans la couche. Et j'ai repris 2 couches comme ça, donc ça c'est des TE2, c'est celles qu'on utilise la journée. Donc il y en a une jaune avec des petits pélicans et une rose avec des coccinelles que je trouve trop belle. Donc voilà, la première avec des petites coccinelles. Oh trop chou. La deuxième du coup avec des petits pélicans. Et du coup c'est ce que je vous disais, en gros ça c'est des TE2, c'est à dire que voilà, la couche est comme ça et ensuite par dessus on rajoute un lange comme ça. Alors que les TE1, vous allez voir, c'est différent. En fait j'aime bien ça la journée parce que quand il n'y a pas de fuite ou quoi, ce qui arrive franchement rarement, et bien en fait on garde la couche, on change juste ça parce que ça est sale mais ça c'est propre. Contrairement à celle-ci, vu que c'est tout en un, et bien il faut changer à chaque fois la totalité de la couche. Voilà, là c'est du coup comme une couche, voilà c'est comme une couche normale, vous voyez, il n'y a pas de truc à rajouter, il est directement à l'intérieur. Et la deuxième avec des petites girafes. Et voilà du coup les petits boosters, comme ça, que je rajouterai du coup dans la couche.
Voilà, je vais faire une machine directe. Avant la machine, on re-scratche bien les scratchs, sinon ça, ça s'accroche partout et ça abîme les autres vêtements, ce qui m'arrive très souvent parce que j'apprends pas de mes erreurs. Sinon, à part ça, je me suis motivée, je vais emballer les cadeaux. Du coup, je vais filmer en même temps la vidéo, enfin le début de la vidéo, parce que là, je vais emballer que les cadeaux de Martin aujourd'hui puisque j'ai pas tout reçu le reste. Mais voilà, je vous ai dit que je ferai une vidéo où j'emballe les cadeaux et du coup, voilà, on va commencer avec les cadeaux de Martin qui sont juste ici. Je vous spoil pas trop, mais de toute façon, j'en ai parlé sur Insta. Donc si vous me suivez sur Insta, vous savez très bien ce qu'il va avoir à Noël. On lui a pris 4 cadeaux et j'avais acheté des trucs en plus, mais finalement ce que j'ai acheté en trop entre guillemets, ça sera pour son anniversaire en février. Parce que déjà 4 cadeaux, c'est déjà bien suffisant de notre part et il sera encore beaucoup trop gâté de la part de notre famille. Donc voilà, le reste que j'avais acheté à Lidl par exemple, ça sera pour son anniversaire. On a décidé de faire ça comme ça. Donc ciseaux, scotch, un autre papier cadeau. On va prendre celui-ci. Allez, on va essayer de faire un truc beau. Hein. C'est son premier Noël. On va pas déconner. Là, on est bon là. Pas possible là. La douleur. Oh là là, la vidéo part en caca. Mais j'ai tellement mal. Oh. On dirait que je vais accoucher. Non, j'ai juste un kyste au genou. Je voulais savoir si vous aviez pas des rendez-vous plus rapides ou si à ce moment-là, fallait que je me présente aux urgences parce que là, ça devient insoutenable en fait. Je vous prends un coup de vent, le vlog a tourné, ça tourne mal pour de vrai. Non mais en gros cet après-midi ça a été vraiment un enfer. Du coup j'ai appelé pour savoir s'il y avait un rendez-vous en urgence parce que je ne peux vraiment plus poser le pied et je peux pas attendre jusqu'à vendredi, là vraiment c'est insoutenable. Donc il y a un rendez-vous à 16h45 dans un hôpital, enfin une clinique à 40 minutes de chez nous, donc on part là maintenant et voilà, on verra bien ce qui se passe. Et voilà. Bon, je sors du rendez-vous du coup. Alors, bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas d'opération. Parce que en fait, le kyste a percé. Voilà, donc, il a explosé, c'est ce qu'on craignait en fait. C'est pour ça qu'on voulait opérer le kyste avant qu'il explose pour pas que ça soit super douloureux. Finalement, en fait, il a explosé aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais très, 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 très mal. Donc, il a vidé tout le liquide du genou, c'est-à-dire 85. Je sais plus, 85 cc centicubes, ce qui fait beaucoup, hein, ce qui fait 5 grosses piqûres. C'est vraiment impressionnant et c'est pas franchement agréable parce que du coup il n'y a pas d'anesthésie ou quoi, juste il vous pique et il vous aspire tout un tas de liquide. Franchement c'est pas agréable mais bon, c'est fait. Du coup là je vais avoir du kiné pour tout ça et revoir dans un mois si ça s'est bien résorbé. Donc du coup voilà. Mais là déjà je sens que ça va beaucoup mieux puisqu'en fait ce qui me faisait mal c'est qu'il y avait tellement de liquide, c'est que je pouvais plus plier mon genou puisqu'il y avait trop de liquide. Je pouvais plus mobiliser mon genou, enfin ma rotule ne fonctionnait plus. Donc voilà. Bon, ça fait un petit moment que je vous ai pas donné de nouvelles. Là il est quoi, bientôt 22h je pense. Je vous ai expliqué un petit peu ce qui s'était passé. Donc là ça va beaucoup beaucoup mieux, j'ai plus d'attelle et je peux marcher. Bon je marche pas, je galope pas, je cours pas, mais je peux vachement plus... Vous voyez comme je peux plier mon genou, c'était archi pas possible avant. Donc ça c'est déjà vraiment bien. Et j'espère que ça va aller de mieux en mieux. De toute façon il faut que je fasse du kiné etc. pour retrouver toute la mobilité du genou. Mais là déjà ça a rien à voir avec ce matin. Vous avez dit qu'on avait reçu toutes les photos etc. Les agrandissements qu'on avait fait pour nos grands-parents. J'ai tout mis dans des cadres. Voilà ici. J'ai mis les photos dans les cadres qu'on va offrir. Et dans les petits cadres. Voilà, on a deux sortes de cadres. Donc voilà, j'ai tout fait ça. Il y a certaines photos voilà, qu'on va donner aux grands-parents de mon copain. On connaît les mamies, on connaît. Elles adorent voilà, regarder les photos et tout. Donc on en a développé plein. Après, j'ai trié un petit peu les photos, qui était pour qui, etc. Donc c'est cool. On a fait des photos de Noël du coup. J'en ai fait agrandir, mais aussi j'en ai fait comme ça. Et là, du coup, on va pouvoir écrire la petite carte de Noël. Voilà, ça va être sympa. Je vais faire une to-do list du coup pour demain. Et demain matin, je vais filer à Action pour acheter ce qui manque au niveau des cadeaux de Noël. Bon, j'ai fini les cadeaux en tant que tel, mais il faut que j'achète du ruban, deux cadres
Et sinon des petits chocolats, des bonbons, etc. que j'adore mettre dans les paquets. Donc voilà, je vais écrire tout ce que j'ai, tout ce dont j'ai besoin, et comme ça demain j'irai. D'ailleurs, ceux qui me qui ont vu la vidéo, il y avait où j'ai fait les cadeaux de mon copain, il y a un des colis qui arrive le 22 décembre. Faut savoir que nous on rentre la semaine d'avant sur Besançon, et j'ai fait livrer ici parce qu'il n'y avait pas la livraison, enfin l'estimation de livraison notée, donc je savais pas trop quand ça allait arriver. Donc j'ai un peu la haine. Je vais voir si je peux modifier l'adresse de livraison, parce que là ça va être compliqué. Sinon il aura pas son cadeau avant janvier. Sac cadeau pour... je sais plus pourquoi il me fallait des sacs cadeaux, mais il m'en faut. Sac cadeau, papier cadeau. Je pense que ça devrait le faire, quoique Martin il a des gros cadeaux. Hein. Il est tellement organisé qu'il est en train de me faire des petits papiers pour pas que je me trompe de destinataire. Alors que je sais qu'il va avec. Ça fait 10 minutes qu'il me dit mais t'es sûr. Et là ça y est, il a trouvé une paire de ciseaux, des stylos et il me fait des paquets. Bon, je vais vous laisser là, je prends une petite clémentine de réconfort, il est 23h et ouais, je vais pas tarder à aller me coucher, donc je vous laisse ici. J'espère que ce vlog un petit peu atypique vous aura plu, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.